Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Lavez vos cheveux avec ceci et ils seront brillants, forts et commenceront à pousser plus vite. Les cheveux sont parmi les parties les plus visibles et les plus importantes sur le plan esthétique. Mais il existe de nombreux facteurs qui le rendent moins esthétique, par exemple la fragilité et le manque de brillance. Ce problème est subi par les femmes et les hommes. Nous vous proposons donc aujourd'hui quelques recettes naturelles pour redonner force, brillance et vitalité à vos cheveux. Quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que les cheveux en parlent toujours en bien ou en mal, c'est pourquoi il est très important de garder nos cheveux en bon état. Mais si vous souffrez de fragilité et de manque de brillance dans vos cheveux, ne vous inquiétez pas, appliquez simplement l'une des recettes que nous allons mentionner sur vos cheveux et ils pousseront, ils cesseront d'être fragiles et ils paraîtront beaucoup plus brillants. Recette naturelle pour améliorer l'apparence des cheveux en une semaine. Ingrédients. Graines de fenugrec grec. Lait de coco. Ces ingrédients sont riches en potassium et en protéines et grâce à ces nutriments vos cheveux seront grandement favorisés. Traiter. Vous devez laisser tremper 3 cuillères à soupe de graines de fenugrec grec dans l'eau pendant la nuit. Le lendemain, il faut bien mélanger pour obtenir une sorte de pâte. Lego, vous devez ajouter les 2 cuillères à soupe de lait de coco et mélanger à nouveau. Le résultat, vous devez l'appliquer sur vos cheveux, mais il est important qu'il ne touche pas les racines. Faites-le calmement pour chaque section de vos cheveux. Après l'avoir laissé agir pendant 1h30, retirez la lait d'eau tiède. Cela devrait être fait 3 fois par semaine pendant 1 mois. Dès la première semaine d'application, vous remarquerez d'excellents résultats. Mais si vous voulez que les résultats soient bien meilleurs, vous devez répéter ce traitement pendant 1 mois. Il convient de noter qu'il n'y a pas de limite à l'utilisation de ce traitement, donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs mois. Un autre remède capillaire efficace. Ingrédients. 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Dans certains pays, ils l'appellent huile de ricinot. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Le ricin ou l'huile de ricin rend vos cheveux plus forts et plus épais, et l'huile de noix de coco ajoute beaucoup de brillance et de vitalité à vos cheveux, en plus de favoriser leur pousse. Traiter. Vous devez placer 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et les 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco dans un petit bol. Ensuite, mélangez-les très bien. Il ne vous reste plus qu'à masser vos cheveux avec ce mélange, principalement le cuir chevelu. Passez à l'aide d'un peigne pour l'étaler complètement sur vos cheveux, mais assurez-vous de ne pas créer de nœuds. Couvrez vos cheveux avec une serviette chaude et laissez reposer pendant 1 heure. Lorsque vous avez terminé, retirez-le simplement avec du shampoing et enfin rincez abondamment à l'eau. Cela devrait être fait 1 fois par semaine pendant 3 semaines consécutives. N'oubliez pas qu'en plus des traitements naturels comme ceci, il est important que vous preniez soin de vos cheveux tous les jours pour les garder en parfaite santé et adopter des habitudes saines qui empêchent la chute excessive ou prématurée. Pour cela, les recommandations suivantes sont de la plus haute importance. Adoptez une alimentation équilibrée et assurez-vous de ne pas manquer de nutriments comme le fer, les vitamines A, B, C et E, les antioxydants et l'acide folique. Pour plus de détails, consultez l'article « Comment manger pour éviter la chute des cheveux ». Réduisez le stress dans votre vie quotidienne et évitez les situations génératrices de tension ou de nervosité. Lavez et prenez soin de vos cheveux avec les produits appropriés, en vous informant de ceux qui vous conviennent le mieux. Massez votre cuir chevelu pendant quelques minutes à chaque fois que vous vous lavez les cheveux. Cela stimule la circulation sanguine dans la région et la croissance ultérieure des cheveux. Protégez vos cheveux de la chaleur des appareils comme le sèche-cheveux ou le fer à repasser en utilisant un protecteur thermique.
Coupez les pointes au moins une fois tous les 3 mois pour nettoyer vos cheveux. Les bienfaits du fenugrec grec pour la santé de vos cheveux. Il contient les nutriments essentiels pour favoriser la croissance des cheveux et renforcer les fibres capillaires, telles que les vitamines A, B6, B12, C, E, le fer et le zinc. De plus, dans sa composition se trouve de la lécithine, un émollient naturel qui permet d'hydrater les cheveux et de les rendre beaucoup plus forts. Il réduit la chute excessive des cheveux et stimule le flux sanguin vers le cuir chevelu, ce qui favorise l'irrigation des follicules pileux. Et pas seulement cela, il est également excellent pour montrer une crinière beaucoup plus résistante, brillante et belle. Comme vous venez de l'entendre, ces recettes sont très faciles et extrêmement efficaces. Alors n'hésitez pas à essayez-les, je vous assure que vous serez surpris des résultats. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de 1000 types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaires pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.